Yo yo yo. Ouais, c'est GhostKiller01 les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc on venait sur la map Strike Zone comme vous pouvez voir en domination. Donc voilà, donc le but de cette vidéo est pour répondre à un commentaire qui a été donné sur une autre vidéo de ma chaîne YouTube. Donc ce commentaire en fait c'est une personne que super bien, qui est super cool, qui met souvent des commentaires, qui me demandait de lui montrer comment en fait pour l'aider, comment on faisait une KAM. Donc voilà. Donc je vais essayer de lui montrer en live. C'est, je pense que pour moi c'est la meilleure solution de lui montrer comment on fait une KAM. Donc tout d'abord je vais peut-être prendre la Honey Badger. Donc c'est une classe où j'ai fait tout pour être le plus rapide possible, on va dire, hein. Comme j'ai mis Tracker pour se déplacer plus vite sur les côtés, et après j'ai mis Azure Gâchette après et tout. Donc voilà. Donc là je vais me déplacer de toute façon à niquer le spot de départ. Putain. Ah les gars, désolé, là mon son qui s'est baissé. Voilà, j'ai augmenté un peu le son. Parce que pour entendre les bruits de port. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment on se déplace. Donc là je suis un peu au milieu de la map, mais c'est un peu normal là, c'est. Ouais, c'est pas normal. Ça fait passer par le côté. Voilà. En fait ce qu'il faut, c'est toujours contourner les ennemis. Là faut toujours savoir en fait où sont les ennemis. Sinon c'est un peu chaud. Donc là logiquement ils sont sur leur pause. Ah merde. Bah il meurt lui. Ok, alors maintenant on va. Tiens, là j'en ai vu un. Il y a une ombre, il y a une ombre. Ah je voulais le cuter. Enemy has Bravo. Alors. On va essayer de prendre B. Ce serait bien d'avoir deux pauses pour pouvoir les spawn kill. C'est plus facile. Ok, il est là. Okay. Bon, bah, on va pas prendre B, on va laisser Oxane le faire. On va aller spawn kill directement. Ah, ça c'est mon petit spot, ça. Sur Strike Zone. On va même se mettre derrière la statue, les gars. Ça spawnera mieux. Ah merde, non. We lost B. Amplify. Là ça se connaît là en général. Ça se trouve c'est une KVM. Scavenger. Il a réussi à la prendre ce bâtard. Losing A. We lost Alpha. On va prendre des munes. En général ça spawn sur A là, mais on va pas tenter le. J'aime pas ce que. En arrivant sur A de ce côté, j'aime pas ça du tout, du coup on va passer par là. Oh, oh, oh putain le bâtard. Ah je l'entends à gauche. Ah. Je l'entends à droite. Allez, on est à deux. On est à deux les gars. Oh oh oh. Ah d'accord. Bon. Hop. Amplify. Bon voilà. Je crois qu'on va être obligé de rester sur B les gars. J'aime pas ça camper mais. Securing Alpha. Là on est un peu coincé on va dire. Ah il y en a qui était passé cuisine. On va essayer de tout contourner. Securing A. Ah putain s'il prend un on va savoir où je suis. Là il va savoir où je suis. Oh bah tiens Oxen a eu la KM. Là le bâtard. Putain voilà. Bref. Alors, on a un passerelle, j'ai vu, il a dû sauter. Attends, on va se mettre là. Hop, vas-y Oxen, tu peux passer devant s'il te plaît. Voilà. Vas-y, passe devant. Vas-y, fais le bourrin. Vas-y, avance sur B. Securing Charlie. Voilà. Vas-y, passe à droite. Hop. Fais gaffe au fond. Bon. Laisse-moi là. Oh bon bah. Scavenger. Losing Alpha. Bon alors là vous voyez les gars, c'est Oxen tout craché, voilà. Donc il vient de péter la map en deux. Voilà, là la pute. Donc ce qu'il vient de faire là les gars, c'est du total fail, je sais pas quoi, du son bouton de la manette. Donc en fait là il vient de ruiner ma partie les gars, je suis trop content. Donc voilà. Donc en fait les gars il a pété la map en gros. C'est quasiment beaucoup plus chaud de sortir la KAM. Ouais, hop.
losing A. We lost A. T'as pas une case soutien là, Oxane? Losing C. Parce que là, c'est un peu plus facile en soutien du coup avec la map pété. Non, non, ah putain, ça fout la mort. Et les gars, maximum série 5, ouais. Enemy has A. Bon. 1, on va compter ensemble. Les gars, on va compter. On va se déplacer là parce que ça spawn. Viseur fixe. Viseur fixe. Non, c'est pas viseur fixe, c'est pré-shoot. Pré-shoot. Voilà, Oxen s'est mis en soutien, ce sera plus facile. Bon, là, là c'est au mid, là ça va au mid, donc on va aller. Non! Oh, putain, le shoot de merde. Attendez, passe. Scavenger. Losing Bravo. We lost Bravo. Enemy has B. Ah ouais. Securing B. La cuisine, cuisine, cuisine. B secure. Viens avec moi à gauche. Mais il passe devant. Je prends le pillard, laisse-moi le pillard par contre. Donc voilà. Donc là les gars, je sais pas si vous voyez, mais je temporise un peu. Je réfléchis un peu à mes déplacements. On a un goal. Ah bon. Ah il y a des vestes. Oh mon dieu. Bon, qu'est-ce que je fais? Allez, allez, on se casse. La grenade. Alpha secure. Oh mon dieu, on va s'allonger là. Attends, on va se mettre. Ah ouais, là, comme ça. Là, je l'entends derrière moi. Bon, là, là, exactement là. Oh putain. Trinity rocket sound and inbound. Oxane, tu peux repasser devant. Vas-y. Friendly SATCOM up in the heezy. Losing A. We lost Alpha. Enemy has A. Ah ouais, d'accord. Ok, 21 les gars. Donc là, je sais pas, j'arrive pas à commenter en même temps jouer. Là, faut vraiment que je réfléchisse où je vais me déplacer. Donc là, pour le moment, c'est pas. Si vous voyez, je les contourne un peu. Non. Oh putain. Securing Charlie. Friendly Oracle online. You feel me? Ah, je vais essayer de me diriger un peu plus par là. Charlie secure. Ils sont sur B là. Et voilà, la KM les gars. Bon. Ouais, ce bâtard. Oh bah. Donc voilà, je sais pas quoi, si vous avez vu comment je me suis déplacé les gars. Mais. Ah, Oxane me demande à préciser que il est mort à 19. Donc voilà. Donc en fait j'ai réussi quand même à mettre la map, la KM sur cette map complètement pétée. Donc voilà. J'ai essayé de me déplacer assez bien. Enemy has C. Donc voilà. Là je vais aller à leur spawn. Oh putain. A secure. Losing B. Allez, la statue. We lost B. Enemy has B. Là, ils sont sur B. On va essayer de faire le plus de guns. Secure. Non, on va essayer de faire le plus de gunstreak possible les gars. Parce que là, on n'a pas le temps pour la double. Bon bah saisis, bon bah si. On va essayer la double du coup.
Allez, 1 les gars. Allez, 1, on va aller sur. On va. Ce qu'il faut là, c'est qu'on prenne les pauses parce que sinon on n'arrivera pas. On va aller essayer de spawn kill à mort. Si on spawn kill pas, on n'arrive pas à faire, on n'arrivera pas à faire la double. On n'aura pas le temps. Donc voilà. On va spawn kill sur A les gars. Allez. 1, enfin non, sur la 2 les gars. Allez, ça spawn. On va se foutre derrière plus comme ça. Il fait un kill, je regarde pas, ça spawn. Je regarde pas. Allez, spawner. Ah, ça doit spawner quand je regarde pas, normalement. Ok, là-bas au bout. Ah non, là. On perce. We lost Charlie. Vas-y. Enemy has C. Voilà, je vais chercher des balles. Vite fait. Hey homies, we getting played. Losing Bravo. Putain, je suis mort. We lost B. J'avais pas assez de balles. Fallait que je prenne une arme. Voilà. Enemy has B. Là, c'est avec mort. Hein. Faut qu'on prenne des pauses. Il faut que je rush comme un malade là les gars, c'est pas possible. Je crois que j'ai envoyé ma KM sur un. Donc je suis. Donc les gars, je sais, j'ai peut-être pas assez commenté mes déplacements, mais c'était vraiment très très chaud aussi. C'était très très serré à un moment. À des moments j'étais complètement bloqué. Ah, j'aurais dû gueuter là les gars. Donc ce qu'il faut c'est contourner les ennemis, je vous ai dit. Donc soit après si vous voulez faire une KM rapidement, c'est ça, c'est si vous avez un peu de talent. C'est en express, faut spawn kill un peu. Enfin, faut pas trop, là, pas trop de talent à avoir pour spawn kill, mais pour garder les spawns, faut arriver à avoir, faut connaître à peu près. Faut, par exemple, c'est comme tout à l'heure là, je me retournais pour pas voir les ennemis spawner, et du coup ça spawnait quand même. Ah, manette qui a plus de batterie. Oh le monde. Ouais, je vais prendre B. Oh putain, percé. Oh, c'est bon, il va. Je suis sur B. Charlie secure. Ah, je suis mort. Securing B. Donc voilà. Donc la partie va se terminer sur un petit score de 65 pour 13 avec deux captures, donc j'ai essayé de faire mon possible quand même. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pas spécialement commenté mes déplacements ou je sais pas quoi. Mais bon, vous avez pu voir en live comment mes impressions, comment à peu près je me comportais face aux ennemis. Et tout, comment j'essayais de les brain, les contourner, trucs comme ça, je restais un peu comment vers les alliés. Il faut pas trop se retrouver tout seul, on va dire, dans cette map sur Strike Zone, si on se fait vite planter, on va dire. Donc voilà, donc la vidéo va se terminer. Donc je remercie Swag Mister qui a bien géré dans cette partie, qui est mort aussi à 17. Donc voilà, allez, je vous dis salut tout le monde, merci d'avoir regardé ma vidéo. Allez, ciao tout le monde.